Coucou, bonjour mes femmes magiques, regardez où je suis. Ça, c'est mon arbre préféré, là où j'habite à Louvain-la-Neuve. Je me promenais ici parce que je voulais vous parler de quelque chose et vous annoncer quelque chose. Si vous n'êtes pas dans ma mailing list, vous êtes dans ma mailing list, ça serait une bonne idée. Est-ce que je peux me promener autour du lac? Ouais, voyons faire ça, les gens vont trouver ça bizarre, mais enfin. Mais un peu de vent, peut-être que ça va être difficile à m'entendre. Donc, on va aller sous un autre arbre. Oui, alors, les 12 archétypes du féminin selon Carl Gustav Jung. Peut-être c'est quelque chose que tu connais parfaitement, avec lequel tu as déjà travaillé. Pour toutes celles qui ne connaissent pas, ça, ce sont les 12 archétypes. Donc, l'explication serait bien longue, donc je vais vraiment super faire court. Par exemple, tu as là-dedans la guerrière, la mère, la sœur ou l'âme sœur, tu as l'amante, tu as l'artiste, et tu as 12 archétypes. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument magique, parce qu'évidemment, tu as 12 mois pendant l'année. Et je ne sais pas si tu sais que j'ai donné 3 stages virtuels, enfin en ligne, l'année dernière. Enfin, je vais y arriver, la semaine dernière. Oups, je suis un peu distraite parce que je vois ces jolies fleurs à ton bord. Alors, je te le montre, puisque ça me distrait à un tel point. Regarde ici, il y a, tu vois ça? C'est magnifique, non? En fait, c'est une personne qui habite ici, une personne âgée. Ça ne lui appartient pas du tout ce jardin, c'est juste d'un grand immeuble. Et elle a décidé de mettre des fleurs partout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc voilà, ça me distrait. Et donc ces 12 archétypes, 12 mois. Et à la fin de l'année, je donne toujours un cours sur les nuits de Yule, les 12 nuits magiques de Yule. Et on travaille avec ces archétypes, mais vraiment en profondeur, parce qu'entre Noël et Nouvel An, jusqu'au 6 janvier, en réalité, il y a énergétiquement un moment dans l'année qui prête à la réflexion, à lâcher les anciens schémas et à se préparer pour la nouvelle année. Et normalement, chaque archétype correspondant à un mois, on est censé, ou on peut, voilà, on va le dire comme ça, chaque mois travailler avec l'archétype du mois. Et, oh, coucou Mitsoko! Et j'ai donc, après avoir donné le cours, j'ai dit aux femmes, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Et elles le font peut-être ou le font pas. Et donc, j'ai décidé hier, après le stage, après avoir donné ce stage de danse, qu'est-ce que je pourrais donc offrir à toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas envie de suivre mes cours de danse en ligne pour le moment, pour leur offrir une possibilité de rester dans cette énergie du féminin sacré et de travailler. Et donc, j'ai eu vraiment cette idée qui m'est venue comme ça, de bien sûr travailler avec les archétypes. Et au lieu de t'offrir la possibilité de suivre avec moi les cours de danse en ligne, de t'offrir un espace où par mois tu peux travailler sur l'archétype. Donc le mois prochain, le mois d'août, c'est l'archétype de l'artiste, la muse. Et dans cet espace, tu vas recevoir. Tu vois, attends, je vais vous montrer pourquoi je rigole à un tel point là. Tu vas recevoir un exercice, des méditations guidées. Tu vas recevoir quelque chose sur cette thématique sur laquelle tu peux donc travailler. Attendez, je vous montre. Vous voyez ce que je vois là? Où est-ce que sont les canards? Ah là. Et les canards? Ils ont toujours faim, ceux-là. Ah, encore une. Drôle. Et donc cet espace membre, il est fraîchement tout nouveau, il commence aujourd'hui et tu peux donc t'y inscrire pour le prix absolument fantastique et extraordinaire et un prix qui fait que j'espère que tu dois même pas réfléchir. J'ai fait exprès de le mettre aussi bas pour que le prix ne soit absolument même pas un obstacle ou même pas ça demande même pas 3 secondes de réfléchir. C'est 9,99 €. Donc, qu'est-ce que tu trouves dans cet espace absolument magnifique? Tu trouves l'explication de cet archétype. Tu trouves un exercice qui va t'aider à travailler sur cette thématique-là. Et cet exercice, ça peut être un mouvement, ça peut être une méditation guidée, ça va venir avec mon inspiration du moment. Tu vas trouver ça. Et
Tu vas trouver, parce que évidemment j'adore danser, je veux que tu danses. Je veux aussi que tu adores danser, j'espère que c'est le cas. Coucou, Youk. Tu vas trouver le replay, un des replays des mois précédents, des cours de danse du féminin sacré que j'ai donné. Et comme ça, tu as un peu ça aussi. Ça vient également avec un groupe Facebook, une sororité, on va tous s'échanger. L'espace membre, c'est là que tu trouves toutes les choses. Et j'ai oublié quelque chose? Je ne sais plus, mais tu peux aller sur mon site web, là tu vas trouver ça. Et donc tu peux faire un essai ce mois, enfin, mois d'août pour voir ce que ça, si tu aimes ça, si ça te plaît. Moi évidemment je serais super heureuse de t'avoir dans cet espace, qu'on puisse travailler sur cette thématique ensemble. Toutes celles qui ont fait avec moi le cours à la fin de l'année, le cours les 12 nuits de Yule, bah, profitez-en parce que ça c'est votre possibilité de rester dans ce travail que vous avez préparé au début de l'année. Coucou! Ah, alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, God! Youk, je vais te supprimer et te bloquer de ma page, clair et net. Ah là là, les hommes quand même. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, les femmes. Franchement, on ne pouvait pas aller simplement sur un profil et, toi, on ne fonctionne pas comme ça. Vraiment, les femmes qui m'écoutaient, les hommes, ça a besoin tellement, 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 je vais pas dire d'éducation, mais ça a besoin d'apprendre comment ça fonctionne les femmes. Ils ont parfois aucune idée, franchement dit. Donc, en voilà un qui essaye de me draguer ici dans les commentaires et va être supprimé. Ah là là. Bien, ben, je vais vous montrer les oies ici. Hop, petit instant. Vous les voyez? Je sais pas si vous les voyez en réalité. Ok. Je suis bavarde. J'ai arrêté de parler. Donc, si vous voulez aller voir, allez sur mon site web www.chandra.life et là, vous pouvez vous inscrire. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et Mitsuko, j'espère que tu vas bien. Comment ça va au Japon? Est-ce qu'il fait beau? Gros bisous!